J'ai eu l'occasion de rentrer à la prison Sainte-Anne à l'automne 2005. C'était la première fois que la prison était ouverte au public depuis l'évacuation des détenus, je pense. Et donc c'était l'occasion de rentrer dans une prison. D'habitude, c'est assez compliqué pour un photographe de rentrer dans une prison, qu'elle soit vide ou qu'elle soit habitée. Moi, quand je suis rentrée dans cette prison, il restait beaucoup de choses. On avait vraiment le sentiment que les détenus étaient partis très très vite. Donc, je pense qu'en fait, le fait de changer de lieu de privation de liberté, c'était une nouvelle vie qui s'ouvrait à eux. Donc ils étaient vraiment partis en laissant les draps, quelques habits. Il y avait encore des livres ouverts, des magazines. Il ne restait pas d'objets tels que des brosses à dents ou pas d'objets d'hygiène, mais par contre quelques effets personnels et puis tout ce qu'il y avait sur les murs. Il y avait par exemple la salle du dentiste où il restait tous les appareils du dentiste, donc la chaise, ça faisait un peu machine de torture. Voilà, il restait ce type de matériel. Le sentiment sonore que j'ai perçu dans la prison, il est double. La première chose, c'est qu'on rentre dans un espace vide, donc il résonne énormément. Donc on fait tomber un truc, ça fait énormément de bruit. Donc ça surprend et le volume sonore paraît très fort et très fort. Et puis le fait qu'il reste toutes ces choses, t'as l'impression d'être à côté des bonhommes et que tu vas te retourner et qu'il y en a un derrière toi. J'avais un sentiment d'étouffement en fait, par le son et puis par l'étrangeté du lieu. Et ce qui m'a marqué, c'est le fait d'arriver dans une prison vide et d'avoir l'impression de rentrer dans un espace très bruyant et d'entendre encore les détenus parler, vivre, parce qu'en fait, il restait tout. Les salles qui m'avaient le plus marqué, c'était les cellules qui étaient très décorées, très peintes. Donc ça faisait partie d'une des libertés des prisonniers, c'était de pouvoir peindre les cellules avec la couleur qui leur plaisait. Donc parfois c'est assez kitsch, assez violent. Je me souviens par exemple d'une cellule avec un gros dollar hyper coloré. Une des premières cellules dans lesquelles je suis rentrée, il y avait un dessin des attentats du 11 septembre. Un dessin très naïf, comme si ça avait été un enfant qui l'avait dessiné, avec les deux tours et les avions qui piquent dans les tours. Je me souviens très bien de ce dessin. Je me souviens d'un autre dessin que j'avais bien aimé sur une moto. Voilà, c'était, je ne sais plus, la GSX-R, c'est de la balle Jean-Pierre. La grosse classe d'avoir cette moto, visiblement. Voilà, après, quand il n'y a pas de détenus, on se raccroche aussi seulement aux inscriptions. Donc, c'est la manière de communiquer à ce moment-là, c'était ça. C'était de lire ce qu'ils avaient écrit, ce qu'ils avaient laissé. Après, il y a tous les écueils de la prison, c'est-à-dire qu'évidemment, beaucoup de femmes à poil, beaucoup de représentations sexuées, on va dire. Chez les hommes et chez les femmes, d'ailleurs. We like it when we're spinning.
fait d'être en centre-ville à Avignon amenait aussi d'autres choses. Les familles des détenus communiquaient avec les gens à l'intérieur en criant du petit promontoire juste en face. Le bruit de la ville et le rapport avec l'extérieur est très important. Tous les messages qu'ils avaient laissés sur les murs étaient aussi parfois des messages qui avaient un lien direct avec le fait qu'ils partaient de la prison. On pouvait trouver des phrases du genre « tout va bien, on s'en va ». Donc il y avait des choses qui étaient inscrites et qui parlaient du fait qu'ils allaient déménager. Comme s'ils allaient sortir de prison en fait, ce qui n'était pas le cas puisqu'ils en réintégraient une autre. Mais il y avait quand même ce truc de « on va sortir ». Alors je ne sais pas si la prison qu'ils ont trouvée était à la hauteur de leurs espérances, je ne pense pas, mais en tout cas, on voyait sur les murs que les gens allaient sortir. Quand on sort de prison, le premier sens du mot liberté, c'est vraiment ça. Regardez le bleu du ciel.